Et donc nous revoilà, c'est Mat29 et on se retrouve pour le troisième épisode de la session sur farming, donc toujours pour vider nos silos, les silos de pommes de terre et vider dans les silos notre soja, notre seigle, comme on veut. Donc lui c'est parti, il va attendre un petit peu. Donc après on remonte normalement Sucy. Et Sucy commence à me casser les bœufs. Est-ce qu'il veut pas prendre là, mais... Pourquoi il veut pas. Je vais recharger la course. Par hasard, il n'aurait pas un décalage là. Non, pas de décalage. Bon. Pommes de terre, fabrique. Il est bien en dessous. Ah non. Il a été presque. Il était presque. Il était presque. Ah, en haut. Il commence à griller. Je pense que la machine va s'arrêter. Ou alors elle va m'afficher plutôt voilà. Oh non, elle s'arrête. En fait, là, ça sera une moins bonne qualité tout de suite parce qu'il pleut. Normalement, il y aura moins dans la machine. Donc, ça ira un peu moins vite au niveau du remplissage, vu que. Est-ce que l'autre va se remplir? Toi, t'es casse-cul, toi. Non, même pas. Et pourquoi ils se remplissent pas alors que normalement ils devraient se remplir? Ah voilà. Bon, je peux faire aussi passer le hein, passer en x120 hein. Donc x12000. Bah oh, il pleut. Pouf. Allez hop. Ah, il pleut plus.
un peu encore. Voilà. Comme ça, du coup, normalement. Je vais faire passer le jour. Ouais, mais je m'en fous. On va se mettre à 6h. Logiquement, il n'y a pas de souci. Ce sera vert foncé, mais ce sera pas plus. Et puis, alors par contre, il y a toujours le fort demande. Nickel. Ça se termine quand d'ailleurs, le fort demande? Dans 1 heure. Ah, merde. On va vider le 3 le canapé plus normalement il devrait descendre tout seul aussi. Et puis nous, on va se sortir à la prochaine, je pense. Mais non, pas encore quand même. Si, on va se retrouver dans un prochain épisode. Donc on se dit à la prochaine. N'oubliez pas les petits pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de me laisser des commentaires pour ceux qui ont envie. On se dit à tout de suite dans le dernier épisode. Allez, c'est parti. Donc en fait non, je suis un peu débile, c'est juste que je voyais 21 minutes sur mon chrono, alors je me disais ça n'allait pas. Donc non, en fait c'est toujours le troisième épisode et puis, donc bah du coup, on continue. On passera aux prochaines tout à l'heure. Hein. On est à combien de... Il reste combien de pommes de terre aussi? Il reste quand même 844 781 pommes de terre. Donc on va attendre un petit peu. Ceux-ci se sont croisés. Et normalement là voilà, et puis de soucis. Donc du coup, qu'est-ce que je vais dire? On est déjà à 136 sur 36 000. Ah oui, forcément, j'ai remis le loader. Forcément, je vais encore me faire un peu d'argent. N'est-ce pas?
Et puis il va vider notre moissonneuse là. Du coup, une fois que celui-là, normalement la machine va repartir toute seule. Voilà, celui-ci il mérite ça. Comme ça on va pouvoir s'acheter au moins rajouter des machines pour maçonner, parce que sinon ça va être un peu. Ce sera mieux de faire avec deux machines qu'avec une. Et là, je comprends pas pourquoi ça marche pas en fait. Ah, voilà, c'est bon. Soit ils arrivent pas assez vite ici, alors du coup ça marche pas. Par contre, là, c'est bien la fin de cet épisode. Donc, je vous dis, n'oubliez pas les petits pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis de me laisser des commentaires pour ceux qui ont envie. On se retrouve dans le quatrième cette fois-ci, c'est les bons. A tout de suite pour le quatrième épisode.